Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, à vous tous, bonjour et soyez la bienvenue dans cette émission Santé-Bien-être. Soyez la bienvenue sur Canal 10 et merci de me permettre d'être chez vous à travers le petit écran. Eh bien, vous savez, on a rendez-vous tous les samedis à 10h pour parler de remèdes rasiers, pour parler de notre patrimoine et puis surtout moi en tant que naturopathe, vous accompagner, vous donner des idées et puis dans cette situation de pandémie que nous traversons, vous aider et vous accompagner aussi pour vous dire à quel point que vous pouvez passer à travers. Parce que vous avez dû voir l'émission de mardi dernier et j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup d'appels et je vous remercie tous ceux qui m'appellent. J'ai eu vraiment beaucoup de messages aussi et je vous remercie également pour votre fidélité, pour vos appels. J'essaie de répondre à tout le monde, ce n'est pas toujours évident, mais j'essaie. Eh bien, continuez, vous le savez, à travers cette émission, vous avez la parole, c'est du direct. Vous pouvez m'appeler au 05 90 96 10 10. Et puis, vous savez aussi qu'à travers cette émission, vous pouvez donner vos témoignages, mais vous pouvez aussi poser toutes les questions que vous voulez. Et si vous n'avez pas le temps, eh bien, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Henri Vincent, Henri Périan, @gmail.com. Et comme ça, vous allez pouvoir m'envoyer les messages et je réponds à tout le monde. J'ai le temps à ce moment-là de répondre. Alors, vous connaissez le but de cette émission et vous connaissez ma mission. Nous allons parler aujourd'hui du petit déjeuner. Mais oui, vous savez, j'ai fait un rêve. J'ai vu la Guadeloupe où, dans toutes les communes où l'on plante des arbres un peu partout pour décorer les parterres, les jardins, les trucs, au lieu de planter des arbres inutiles qui n'apportent rien, eh bien, il y avait des arbres fruitiers. Parce qu'en Guadeloupe, il manque des fruits. Oui, il manque des fruits. Et donc, j'ai vu dans mon rêve que les communes, que les maires, que toutes les responsables, eh bien, ils avaient à cœur de notre santé. Et donc, ils avaient planté des arbres fruitiers au lieu de planter des arbustes qui servent à rien. C'est une idée, hein. Si vous pouvez le transmettre et sensibiliser, vous avez des fruits incroyables en Guadeloupe. Vous savez, les cerises pays, qu'on appelle souvent acéola, c'est l'un des fruits qui a le plus de vitamine C au monde. C'est pour vous dire que nous avons une richesse, un patrimoine incroyable. Et cet arbre, il est aussi beau que n'importe quel arbre inutile que l'on plante dans les communes un peu partout. Il ne salit pas, et il est bien cet arbre et vous aurez l'avantage à ce moment-là de passer dans ces temps de pandémie. Eh bien, il vous faut de la vitamine C dans ces temps de pandémie. Il vous faut des cerises pays. Vous pouvez en faire des jus le matin. Alors, ceux qui ont un petit cerisier près de chez eux, c'est un rêve et puis c'est une richesse. Donc, influencez un petit peu vos décideurs pour qu'ils mettent un peu plus d'arbres fruitiers dans les communes. Et ça ne coûte pas cher et tout le monde peut en bénéficier. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent aller cueillir à ce moment-là des fruits. Vous imaginez que si vous avez des arbres fruitiers, le goyavier, vous l'avez partout à ce moment-là. Les cerises, vous le retrouverez partout. Et puis, les bananes aussi. Mais tous les fruits de chez nous, c'est un peu la vocation aussi c'est des maires d'un peu les mettre en valeur. En plus, ici, nous n'avons pas d'hiver pour dire que ça va dépérir et tout ça. Non, je crois qu'on peut... Vous savez qu'en Guadeloupe, c'est très difficile pour trouver des oranges. Et oui, c'est très difficile pour trouver des oranges. Et si vous arrivez à trouver des oranges, c'est des oranges qui nous viennent de l'Amérique du Sud et souvent traitées. Et nous ne savons même pas de quoi ils sont traités, mais vous avez dû faire l'expérience. Vous mettez une orange là, quelques temps après, il va pourrir de l'intérieur. Ça ne vaut plus rien. Alors, pourquoi ne pas planter des orangers? Pourquoi ne pas planter des citronniers? Pourquoi ne pas planter des cerisiers sur nos routes, dans nos jardins publics, partout? Comme ça, tout le monde bénéficierait un petit peu des fruits. C'est une idée. C'est un rêve. Mais qui peut devenir réalité si chacun prend conscience.
Parce que je le dis souvent à travers cette émission, ce qui est important, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est la qualité de notre vie. Parce que si vous devez vivre avec de la maladie ou avec des souffrances, avec des stress, avec des angoisses, avec des fatigues, avec... si vous avez un certain mal-être, ça ne vaut pas la peine de vivre, je pourrais vous dire à la limite. Mais le but de cette émission, c'est de vous aider à avoir la qualité de vie, une qualité de santé qui permet que, quelle que soit la pandémie, quelle que soit la situation que nous traversons, eh bien, vous allez passer à travers. Vous allez passer à travers parce que vous avez, votre corps a une bonne résistance et votre système immunitaire, eh bien, vous le renforcez, vous le consolidez et au lieu de vieillir, vous rajeunissez chaque jour. Voilà ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Alors, à travers cette émission, on va parler beaucoup d'alimentation parce que vous savez, je le répète, l'alimentation, c'est la base de la santé. C'est votre premier médicament. Et oui, l'alimentation va vous aider à rester en bonne santé, mais ça peut aussi vous faire déraper vers des maladies inflammatoires, vers d'autres problèmes. Et vous savez, dans notre société, dans notre époque, on nous fait manger du n'importe quoi. Quand je dis « on nous fait manger du n'importe quoi », c'est parce que souvent, on n'a pas le choix et que souvent, à travers les influences de la publicité et tout ça, vous ne savez pas qu'est-ce que vous mangez. Parce que, l'image, elle est belle, mais vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Hein, même si on vous met, je sais pas moi, des saucisses, vous savez pas à quoi c'est fait les saucisses. Parce que vous savez, même on peut vous faire de la viande artificielle maintenant. On peut vous faire des saucisses artificielles, de la viande artificielle. Alors la santé, il commence dans l'assiette. Il commence dans l'assiette et... C'est vrai, il faut que nous apprenions à choisir, il faut que nous apprenions à être responsables, il faut que nous apprenions à faire des choix alimentaires essentiels pour notre bonne santé, mais pour transmettre aussi aux enfants de bonnes habitudes. Et puis, vous savez que l'alimentation, ça va commencer depuis l'enfance, par le goût. Apprendre à l'enfant à avoir les vrais goûts, à bien sentir vos aliments. Par exemple, moi, j'aime bien manger mes salades sans mettre de la vinaigrette dessus. Une bonne petite salade de concombre sans vinaigrette, je prends le goût des concombres. Apprenez à, par exemple, vous cultiver des tomates. Vous avez dû faire l'expérience. Vous avez cultivé vos tomates, ou bien vous avez acheté des tomates de la Guadeloupe, vous les goûtez, et vous achetez des tomates qui nous viennent de l'extérieur, ça n'a rien à voir. C'est la nuit et le jour. Et la différence, elle est faite dans l'expérience. Les tomates que vous allez acheter en supermarché qui viennent de l'extérieur, ils vont rester là 2 heures après, c'est immangeable. Et ils vont pourrir très vite. Et ceux de la Guadeloupe, eh bien, ils vont tenir le coup. Donc vous voyez que c'est le retour à une alimentation plus locale. Et puis voilà. Alors après vient la question du coût de la vie, parce que vous me direz, c'est pas toujours évident d'acheter des racines, c'est pas toujours évident de trouver des légumes ou des fruits qui soient pas trop chers. Avant c'était 90 centimes, c'est arrivé à 1 euro, maintenant le minimum c'est 2 euros. Bon, la vie augmente, la vie devient chère, voilà, ça aussi c'est un problème. Bon, mais la qualité de vie, ça n'a pas de prix. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit déjeuner. Alors, ce petit déjeuner, le matin, je l'ai toujours dit, nous n'avons pas une constitution, nous n'avons pas, dans notre tiroir, le blé, ce n'est pas l'essentiel de notre alimentation. Il ne devrait pas être l'essentiel de notre alimentation parce que nous sommes dans un pays chaud et donc nous avons un autre type d'aliment. Eh bien, aujourd'hui, nous allons mettre... vous pouvez faire plusieurs petits déjeuners au choix. Vous pouvez prendre vos poyos avec de l'huile d'olive et de la morue, bien dessalée. C'est super. Mais vous pouvez aussi prendre si vous avez des problèmes d'estomac, si vous avez des brûlures d'estomac ou des reflux, eh bien, je vous conseille le dictam. Il est très bon pour les reflux et pour les brûlures d'estomac. Donc, le matin, vous pouvez faire un peu de dictam avec des fruits secs.
Et puis, nous avons la farine manioc aussi. Vous pouvez faire ça le matin aussi. Donc, vous voyez, vous avez une variété de petits déjeuners que vous pouvez faire le matin. Vous n'êtes pas obligé d'aller systématiquement prendre du blé, des céréales avec des pétales de maïs. On ne sait même pas si c'est pas transgénique, etc., etc. Et puis, vous n'êtes pas obligé aussi de manger du pain. Voilà. Donc, le petit déjeuner du matin, vous pouvez le faire différemment. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un autre petit déjeuner avec des fruits secs. Et c'est ce que nous allons partager ensemble. Voilà. Alors, je suis devant mon petit déjeuner ici. Alors, c'est vrai, il vous faut acheter un mixeur. Ça, c'est très important parce que sans le mixeur, ça va être compliqué pour le faire. Alors, apprenez quand vous faites vos légumes, quand vous faites vos salades, apprenez surtout à ne pas jeter les graines. Alors, les graines de courge, par exemple, nous savons que c'est un super médicament pour la prostate pour les hommes. Hein, ils sont présentés comme ça, on les fait griller. Quand vous avez un giromou, quand vous avez coupé le giromou, eh bien, vous prenez les graines, vous les mettez séchées au soleil et vous allez consommer ces graines, surtout pour les hommes, pour la prostate. Et les graines de courge, c'est bon pour les enfants, pour les vers, pour les parasites et ça purifie, ça assainit la flore intestinale. Donc, les graines de courge, on va le mettre au petit déjeuner le matin, surtout pour les hommes, plus pour les hommes. Ensuite, alors je vous ai dit, il faut le mixeur et il faut des fruits secs. Alors, vous choisissez les fruits secs en fonction de votre santé. C'est-à-dire, par exemple, pour une personne âgée, eh bien, elle va choisir des fruits secs qui vont apporter et reminéraliser son corps. Elle va choisir des fruits secs qui vont apporter du calcium, qui vont apporter du magnésium, qui vont apporter plein d'ingrédients. Alors, ça va être premièrement des noix de cajou, ça va être des amandes, ça va être des graines de lin. Alors, si vous faites du cholestérol, je vous conseille des graines de lin, des graines de tournesol. Vous allez mettre tout ça de côté. Alors, il suffit simplement d'aller dans un discount, dans un magasin, d'acheter vos sachets de fruits secs. Hein, au lieu d'acheter des céréales, au lieu d'acheter des formes de muesli colorées avec des ingrédients frelatés, eh bien vous allez vous acheter vos sachets de fruits secs. Et vous avez des graines de lin mélangées avec des graines de courge, des noisettes, des amandes. Et pour les personnes fatiguées, pour les personnes qui n'ont pas le moral, eh bien, je vais ajouter le raisin sec. Voilà. Et puis, l'avoine. Alors, si vous avez un peu de poids, si vous avez tendance à la constipation, c'est l'avantage des fruits secs. Ça vous apporte des fibres et ça permet d'avoir un bon transit. Parce que vous savez, la santé commence dans le ventre. La santé commence dans le ventre. Hein. Et donc, éviter les fermentations, éviter les ballonnements, éviter les problèmes de flatulence. Voilà. Évitez tout cela. Et donc, ces fruits secs, c'est leur avantage. Alors, les fruits secs vont vous apporter beaucoup d'oligo-éléments. Ils vont vous apporter beaucoup de vitamines et beaucoup de fibres pour bien faire travailler les colons. Avec ce petit déjeuner, vous n'aurez pas de fatigue dans la journée. Alors, pour les enfants, c'est super. Pour les jeunes qui vont avoir des examens, c'est l'idéal. Et puis, également, pour les travailleurs, eh bien, c'est l'idéal. Pas besoin d'aller prendre un sandwich à 10 heures avec plein de trucs dedans. Pas besoin de ça, ça vous tient, ça vous booste. Je peux vous en parler. J'ai les témoignages et puis la réalité est là. Par exemple, si vous avez du poids et vous voulez perdre du poids, pas la peine d'entrer dans un régime parce qu'avec ça, vous ne faites pas d'hypoglycémie, vous n'avez pas des coups de fatigue dans la journée, vous boostez le corps depuis le matin. C'est du bon carburant, ça vous permet de passer une bonne journée sans stress. Voilà ce que je vous présente aujourd'hui. Alors, avec tout cela, vous avez vu, il y a une banane aussi
que je vous présente. Et puis, il y a un élément aussi qu'il faut tenir compte. Alors, pour ceux qui sont fatigués et en période de COVID, c'est très important, des compléments alimentaires. Alors, ces compléments alimentaires, ils sont présentés là, sous forme comme cela. Et puis, ce sont des ampoules comme cela, une ampoule par jour de compléments alimentaires. Alors, j'ai choisi celui-là parce que c'est un mélange d'algues, de spiruline, d'oligo-éléments et de vitamines. Donc, vous pouvez mettre une ampoule dans votre composition, comme vous pouvez le prendre à part, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors, comment on fait ce petit déjeuner? Alors, d'abord, je vais prendre mon appareil. C'est lui. Alors, je vais brancher mon mixeur. Voilà, c'est fait. Alors, moi, je vais mettre un peu d'avoine. Ah, j'avais mis une cuillère. Voilà. Je vais mettre un peu d'avoine dedans. Voilà. Je vais en mettre, là, je vais en mettre 3 cuillerées. Voilà. De l'avoine. Voilà. J'en mets 3 cuillerées d'avoine. OK. Alors, là, j'ai choisi du lait de riz. Mais vous n'êtes pas obligé toujours de choisir du lait de riz. Alors, vous pouvez choisir, par exemple, vous prenez du cacao, du goût cacao, vous faites délayer dans un peu d'eau et vous avez un petit chocolat que vous allez mettre dedans. Là, j'ai choisi du lait de riz parce que c'était plus facile et plus simple pour moi, pour aujourd'hui et pour sur le plateau. Alors, voilà mon lait de riz. Oh. Voilà. Alors, je vais en mettre un peu. Voilà, c'est suffisant. Largement, largement suffisant. Voilà. Alors, mon lait de riz, j'ai mis un peu d'avoine. Et puis, je vais mettre un peu de fruits secs de chaque. Alors, voilà, je vais mettre des noix. Je vais mettre des amandes. Voilà. Je vais mettre des graines de courge, du giromou. Des graines de giromou. Très bon, très très bon ça. Surtout pour les enfants qui ont des vers. Et puis je vais mettre, pour protéger un peu mes artères, je vais mettre des graines de lin, des graines de tournesol, un petit mélange de grains. Voilà. Alors, je l'ai dit, vous pouvez mettre également des noix de coco séchées, des bananes séchées. Tous les grains, vous pouvez les mettre dedans. Hein. Il ne faut pas jeter vos graines. Il faut les faire sécher. Il faut l'utiliser, les consommer. Et puis, eh ben, je vais mettre une banane. Oui, je vais mettre une banane parce que c'est très important. Pourquoi ? Parce que la banane, c'est de l'énergie, premièrement. Et puis aussi que la banane, eh ben, ça va permettre que mes ingrédients et que l'ensemble soit plus moelleux plus, et très bon au goût. Alors, je vais bien fermer mon truc. Voilà. Donc, j'ai mis tous mes ingrédients dedans. C'est super, j'ai mis tous mes ingrédients dedans. Et qu'est-ce qui me manque? Eh bien, il ne me manque rien. Je n'ai pas mis de raisin parce que le raisin, c'est surtout quand on est fatigué. Donc, on va mettre du raisin sec aussi pour les enfants, pour le troisième âge. Bon, ben, pour moi, je n'ai pas trop besoin de raisin. Je n'ai pas mis celui-là aussi parce que c'est de l'énergie, c'est de la vitamine. Voilà. Et donc, voilà mon petit déjeuner qui est préparé. Je vous assure, ça ne prend même pas 5 minutes. Vous avez vu le temps que j'ai pris pour faire cela? Alors, je vais mettre tout ça ensemble, voilà, et j'ai mon petit déjeuner du matin. Mon corps n'a rien besoin d'autre et c'est un petit déjeuner superbe. Après, vous allez l'ouvrir. Voilà. Voilà mon petit déjeuner. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir,
Ben, c'est vraiment super, ça n'a pas mauvais goût. Alors vous le mettez dans un bol et puis après, eh bien, vous pouvez le prendre directement. Alors je rappelle ce petit déjeuner qui vous vraiment, il vous prend pas beaucoup de temps et ça ne vous revient pas plus cher. Ça vous revient pas plus cher que quand vous allez voir, vous achetez plein de trucs, enfin plein d'autres choses. Ça vous revient vraiment pas plus cher. Alors le goût, eh ben, le goût est agréable. Hein? Elle est vraiment très très bien. Alors dans cela, vous pouvez également, ça peut vous servir de petit déjeuner également pour ceux qui veulent perdre du poids. Donc vous allez retrouver l'avoine. Et croyez-moi, c'est peut-être très riche, mais ça ne vous fait pas prendre du poids ce type de petit déjeuner. C'est énergétique. C'est un petit déjeuner pour des gens fatigués, pour des gens qui ben, pour tout le monde, pour bien se nourrir. Dans ce temps de pandémie, il faut avoir une alimentation, je le répète, de bonne qualité, donc un bon petit déjeuner. Alors, vous pouvez prendre ce petit déjeuner et vous pouvez prendre également, comme j'ai dit, vos poyaux le matin avec de l'huile d'olive et du citron. Voilà. Peut-être qu'il y a des très, très gros mangeurs chez vous, ben, ils peuvent prendre les deux. Ben, ça fait déjà beaucoup. Hein, ça fait beaucoup le matin. Alors, tout cela. Tous ces conseils-là, eh bien, si vous voulez un complément d'information, eh bien, vous appelez sur Canal 10 au 05 90 96 10 10. Et puis, après l'émission, eh vous pouvez m'appeler ou aller sur ma page Facebook, henriperriand@gmail.com. Et puis, vous savez que je vous accompagne toujours, je fais toujours mes consultations, je suis toujours là. Et vous pouvez trouver toutes ces petites recettes dans mon livre, Maigrir par la naturopathie. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter ce matin et que nous allons tous le partager ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est l'heure de la pub, mais nous allons commencer, nous allons passer à la pub. Et puis après, je vous retrouve avec le direct et j'attends vos questions et je suis là avec vous. Bien, ben, notre émission continue. Donc, j'espère que vous avez pris des notes, que vous avez noté et que désormais, vous aurez un bon petit déjeuner. Alors d'abord, je vous accompagne dans ce petit déjeuner et je le prends à votre santé. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Périan. Oui, votre prénom? Bonjour, je suis Antoinette. Oui. J'appelle de Trois-Rivières. Eh bien, la bienvenue. Merci beaucoup. J'ai un gros problème avec une inflammation de gencive que j'ai et des chaussements des dents. Et chaque matin, au réveil, c'est du sang et c'est très insupportable. J'ai mal. J'ai mal, ça m'empêche de manger, ça m'empêche de. Vraiment, j'ai toutes mes dents, j'ai déjà extrait le sexe dents. Ah oui. Et à chaque fois, ça recommence. Et c'est très douloureux. Vous avez quel âge? J'ai 70 ans. Voilà. Bon, il faut apprendre à vous reminéraliser. Il faut reminéraliser. Alors, vous savez, en homéopathie, ils vendent des petits granules qui s'appellent du Oui. silicéa. Il faudrait que vous fassiez une petite cure de silicéa. De quoi? Silicéa. Voilà. Ici, S-I-L-E-S-I-L-E-C-E-A. Voilà. Oui. Donc, Je suis c'est des petits, dégradulée, c'est des granules que vous prenez le matin et le soir, 5 granules matin et soir pour vous reminéraliser. hein. Et puis, j'ai présenté là sur le plateau un produit qui s'appelle le Tout en Vie. Il est vraiment très, très bien ce produit. Il est vraiment très, très bien. C'est un complément alimentaire. Vous allez trouver dedans des oligo-éléments. Oui, alors vous écrivez pour moi, s'il vous plaît, je peux. Ben, vous l'avez Tout en Vie. Ce sont des compléments alimentaires. Et surtout, essayez de consommer, que ce soit dans vos repas et dans tout, mais faites une cure de zinc et une cure de sélénium. En fait, il faut reminéraliser votre corps, il faut lui apporter quelques oligo-éléments qui lui manquent. Voilà, faites une cure de zinc. Vraiment, le zinc, c'est très important pour vous et le sélénium. D'accord. C'est vraiment tout le monde.
Et puis évitez, par exemple, ne faites pas de bain de bouche avec du vinaigre de cidre ou des trucs comme ça. Non, j'ai pas mis de vinaigre. Non, non. Mais vous pouvez faire des bains de bouche avec un petit peu de bicarbonate ou bien un petit peu de girofle. Je fais des bains de bouche de girofle assez souvent. Ouais, voilà. Bicarbonate. Je peux mélanger le bicarbonate et le girofle. Hein? Non, 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 Non. non, non. Moi, j'ai jamais Séparément, vu ça. séparément. Oui, pareillement. D'accord. Et votre tension, elle est bonne en général? Ça varie. Ça varie. Tantôt elle est haute, tantôt elle est basse. Voilà. À basse, ça fait normal. Ouais. Ça varie. Alors, j'avais donné une petite recette dernièrement. J'avais dit le matin à jeun de prendre de l'huile d'olive avec du citron. Oui. Ça a l'avantage, c'est que ça va nettoyer complètement les voies respiratoires, également au niveau du foie. Ça va Oui, je viens vraiment d'être vous observée guérir. tous les samedis, mardi, Oui, l'huile d'olive et le voilà. citron. Mais ne faites pas tremper dans la bouche, hein. C'est vraiment, vous le prenez, une cuillerée Ah. d'huile d'olive avec un citron que vous l'avalez. Ah, parce que moi je me mettais la trempe dans la bouche. Non, 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 vous l'avalez. Ah, C'est pas, valide. Ah, je voilà. pense à jeun ou à qu'importe le. À jeun, c'est mieux. À jeun. À jeun, parce que là, ça va directement sur le foie, ça va drainer directement. D'accord. Voilà. Je vous remercie, monsieur Voilà, Bonnian. merci pour votre appel et C'est votre votre désir. fidélité. Et ben à Au bientôt. revoir. Voilà, Bonne au revoir. journée. À vous aussi. Oui, alors, j'avais donné deux recettes là. Pendant cette période de pandémie, vous allez utiliser l'ail. Voilà, vous allez mettre le soir, vous faites une infusion d'ail le soir, c'est-à-dire vous faites bouillir de l'eau, vous allez le verser dans un grand bol, 4 gousses d'ail. Même si vous n'êtes pas hyper tendu dans cette période de pandémie, il faut justement protéger, il faut justement. Et ceux qui ont le Covid, c'est le moment de le faire, hein, je le signale. Donc 4 gousses d'ail, vous versez de l'eau bouillante dedans et vous le buvez. Alors, vous ne le buvez pas tout de suite, hein, vous le laissez infuser. Vous pouvez même le laisser toute la nuit infuser. Et comme ça, vous le prenez le matin. Alors, quelques plantes que je vais donner pendant cette période de pandémie, qui est vraiment très importante et très intéressante, c'est le thym. Vous savez, le thym, c'est un bon antibiotique, mais il va assainir la maison, il va protéger. Donc, vous allez faire des inhalations de thym. Alors, si vous avez le Covid, ça va être super. Si vous avez juste les symptômes, ça va être aussi intéressant pour vous de faire des inhalations de thym pour stimuler. Et puis, nous avons beaucoup de plantes aux Antilles qui peuvent vous aider à travers cette période. Bonjour. D'accord. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, oui, votre prénom? Je suis Lucilla. Lucille, oui, vous m'appelez Voilà. d'où? Ouais, alors, je vous petit renseignement. Voilà, ça fait 3 jours, je me suis réveillée avec une douleur au niveau de, je dirais pas des lombaires, mais au niveau de dos, d'accord? Et Oui. cette douleur, elle m'a répondu à l'estomac, mais au niveau de droite, hein, d'accord? Et ça Oui. fait 3 jours, j'ai cette douleur. Alors, moi, de mon côté, j'ai pris des feuilles de crottin, j'ai fait la tisane, tout et tout, Oui. et je passe un peu de Vicks, d'accord? Oui. Mais quand je respire, essaye de respirer fort, je sens la douleur. Oui. Et la douleur, elle est là, elle s'est calmée un tout petit peu, mais elle est là. Oui, alors ça peut provenir du dos, vous savez ça. Comment? Ça peut Comment? provenir du dos. Oui. Je Alors, dormais et voilà. puis j'ai eu cette douleur. Voilà, ça peut être juste, vous dormez comment? Sous le ventre, sous le côté? Je dors sous le ventre, je dors plus sur les côtés et ni sur le dos, je dors sous le ventre. Oui, ça, c'est pas très bon, ça, parce que déjà, vous aurez des problèmes un peu au niveau des cervicales, surtout des trapèzes, c'est-à-dire toute cette zone-là. Donc, c'est mieux sous le côté. Et même sous le côté, si vous n'avez pas un bon oreiller, quelque chose de bien, voilà. Moi, je pense que c'est au niveau des dorsales. Il faut des massages, il faut débloquer ce dos. Ça peut être. J'en ai déjà fait des massages avec des gars, quoi. Ce sont des messieurs, quoi. Ils me massent. Et à la longue, je ne sais pas, la douleur, ça se calme. Et après, ça revient. Là, je me suis inscrite dans un centre de massage de beauté. Bon, avec le conférence, c'est fermé. Mais sinon, j'avais pris une séance de 16. D'accord? On me massait tout.
pour être bien, quoi. C'est ce qu'on appelle des douleurs intercostales. Parfois, il peut y avoir un muscle parce qu'il a été mal sollicité, donc il peut rester comme ça. Bon, mais il faut, c'est comme tout, il faut trouver la bonne personne qui vous débloque ça. Voilà, je pense bien. Il faut trouver la bonne personne, c'est pas toujours évident. Bon, mais il faut trouver la bonne personne. Voilà, c'est le problème que je vois. Hein. Après, vous n'avez pas de reflux, vous n'avez pas des trucs comme ça. Non, mais au début, comme j'étais sportive, j'allais en stage, je faisais, comment dire ça, la musculation. Oui. J'ai eu beaucoup de déchirures musculaires, des trucs comme ça, des douleurs horribles comme ça, de me faire masser. Mais pour moi, ce que je ressens encore, pourtant je ne vais plus en salle, c'est la même chose, quoi. Oui, mais je pense que ce sont des douleurs intercostales. Hein. Je pense qu'il faut vous faire vraiment débloquer. Alors, peut-être aller voir carrément un ostéopathe. Hein. Parce qu'il faut tomber sur le bon praticien qui puisse vous débloquer ça. D'accord. Alors sinon, la tisane que je fais, ça ne sert à rien. Ça va toujours servir, oui, parce que vous pouvez faire deux choses, comme j'ai donné une petite recette tout à l'heure, l'huile d'olive avec le citron, ça va descendre, ça va drainer l'estomac, ça va... si jamais vous avez des petits problèmes de fermentation là-dedans, ça va aider beaucoup. Donc, vous pouvez faire le matin cette huile d'olive avec du citron. Autrement, vous pouvez essayer ce, quand vous faites vos repas, vous mettez un petit peu de bicarbonate dedans. La bicarbonate, non, je n'utilise pas comme ça. J'utilise pour faire, pour se doucher. Voilà, mais vous pouvez en mettre un petit peu pour baisser le pH de l'estomac dans vos repas. Et puis surtout, vous pouvez le matin peut-être faire une petite cure de chlorure de magnésium. Surtout en cette période de pandémie, le chlorure de magnésium, c'est du magnésium que vous achetez en pharmacie qui a cette propriété aussi d'agir sur l'estomac. D'accord. Mais moi, personnellement, je vois que c'est des problèmes intercostales, hein, c'est des problèmes de muscles et de dorsales. Hein. Oui, parce que je me suis déjà fait masser plusieurs fois, et puis là encore, ça y est, je dors, et puis j'attrape encore la même douleur. Ça me répand dans l'estomac, et puis c'est horrible, quoi. Oui. Vous habitez où? J'habite à Basse-Terre. Ah oui, c'est loin. Ouais. Bon, ben, il faudrait trouver un ostéopathe dans le coin et puis voir avec lui, mais c'est facile à vous. Si je ne trouve pas, j'ai besoin de vous voir ou pas? Oui, mais moi, je suis du côté de la Boucan, hein, je suis jusqu'à Sainte-Rose. La Boucan, oui. C'est à côté, c'est ça? Oui, la Boucan, c'est après le Lamantin. Ouais. Ah, la Boucan, après la Lamantin. Ouais. Nous sommes toujours en Guadeloupe. Oui, la Guadeloupe, c'est une île, c'est pas... Bien, oui. D'accord, mais si je ne trouve pas... Vous venez me voir. Voilà. Vous allez me soigner, quoi. Oui, avec plaisir. Oui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre appel. À bientôt. Au revoir. Bon, alors ce petit déjeuner, il faudrait changer les bonnes habitudes. C'est vrai qu'il faut revenir. Alors, refaire connaissance avec les fruits secs, apprendre à sécher vos fruits. Ça, vous pouvez les sécher, même si vous n'avez pas l'appareil pour les sécher, mais vous les mettez au soleil, sous la tôle. Vous pouvez sécher vos fruits. Vous pouvez les prendre le matin. Que le matin soit propice aux fruits, parce que les fruits, c'est des vitamines, c'est des fibres pour le côlon, c'est des oligo-éléments. Et puis, ce petit déjeuner, eh bien, c'est l'idéal pour toute la famille, aussi bien pour le mari que pour les enfants. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Il ne répond pas. J'appelle de la Martinique. Ah, soyez la bienvenue. Vous vous appelez comment? Sidonie. Et voilà, j'ai l'habitude de venir souvent en Guadeloupe puisque ma fille travaillait là. Ah, bien. J'ai des problèmes de jambes lourdes le matin en me levant. Bien que je dors, la jambe, bien que je dorme, les pieds surélevés. Oui. Si on aurait attaché un sac de ciment à chaque cheville, alors qu'est-ce qu'elle tisane que vous me conseillez? Alors, je vais vous donner, parce que vous savez, vous avez deux systèmes circulatoires, hein, dans le corps. Hein. Oui. Vous avez le sang. Oui. C'est lui qui alimente vos cellules. Et puis, vous avez la lymphe. La lymphe, c'est ce liquide qui nettoie vos cellules.
Et quand les quand vos réservoirs de lymphe sont complètement saturés, eh bien, vous allez gonfler, vous aurez les jambes lourdes. Mm-hmm. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des plantes, pas seulement des plantes, c'est prendre plutôt des plantes diurétiques, c'est-à-dire que c'est des plantes qui vont vous dégonfler, qui vont dégonfler la jambe. Oui. Alors vous avez, par exemple, vous pouvez faire ce mélange. Hein. Si vous prenez la reine des prés, par exemple, je vous donne la cette plante-là. Prés. La reine des prés va agir sur la circulation sanguine. Sur la grande circulation veineuse. Vous allez prendre avec de l'orthosiphon. Alors, l'orthosiphon, c'est une plante diurétique qui va agir surtout sur la lymphe, donc il va vous faire dégonfler. Mm-hmm. Vous voyez, vous agissez des deux côtés, reine des prés et de l'autre côté, orthosiphon. C'est séparément le... Ah non, vous, mélangez, vous les mélangez. Vous les mélangez. Et puis, nous avons une plante chez nous qui s'appelle l'armoise, qui est pas mal, l'armoise. L'armoise. Et si vous n'avez pas, vous avez quel âge? J'ai 75 ans. Alors, mettez plutôt de la sauge. Là? La sauge. La sauge. Sauge, S-A-U-G-E. De la sauge. Oui. Donc, vous pouvez faire ces trois plantes-là. Si vous avez l'armoise, c'est pas de trop. Hein. Mm-hmm. Mais la reine des prés, l'autosiphon et la sauge. Parce que pour votre âge, la sauge aussi va vous aider beaucoup. Vous pouvez faire cela et vous le prenez le soir au coucher. Le soir au coucher. Voilà. Vous pouvez le prendre dans la journée aussi, mais surtout vous le prenez le soir au coucher pour que le matin, vous vous réveillez avec les jambes un peu mieux. Je vous remercie, monsieur. Voilà, merci pour votre appel. Et ça va, la Martinique? La Martinique, comme en Guadeloupe, c'est le confinement, c'est, comment dirais-je, c'est Delta virus qui fait son ravage avec la litanie des morts le matin. Voilà. C'est chaud, hein? Voilà. Oui. Oui. Mais en tout cas, protégez-vous et surtout, comme je vous le dis, pour vous, non seulement vous protéger, mais renforcer votre système immunitaire. Hein. C'est ça la solution. Hein. Oui, mais la tisane renforce aussi la tisane que vous m'avez donnée. Ce que vous m'avez donné, ça renforce le... Non, c'est plus pour la circulation sanguine, hein, veineuse et lymphatique. Mais faites ce que j'ai dit tout à l'heure. Prenez 4 gousses d'ail, versez le soir de l'eau bouillante dedans, mm-hmm. buvez-le. Ça va vous aider pour vous protéger, même aussi ça va donner des artères, une meilleure circulation veineuse aussi. L'ail. D'accord. Il faut consommer de l'ail, pas de l'ail pur, mais de l'ail sous forme d'infusion. D'accord, ok. Voilà. Je vous remercie et bonne journée. À bientôt. À bientôt. D'accord. Donc, je rappelle que dans ce temps de pandémie, excusez-moi, toute l'histoire, c'est de renforcer votre système immunitaire et avoir les bons gestes. Bien sûr, vous protéger. Bien sûr, porter le masque, comme on vous dit. Vous lavez souvent les mains. Ça, c'est très important. C'est pourquoi on revient à l'hygiène de vie. Et puis, le choix de vos aliments. Alors, si vous avez le COVID, s'il vous plaît, ne mangez pas de charcuterie pendant la période du COVID. Ne vous gavez pas de lard, pas trop de fromage, parce que ça va encombrer vos émonctoires et ça va augmenter l'effet du COVID. Oui, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur, je suis à la Télé-Canadie, je vous en fais pas vous parler et vous donner vos conseils. Oui. Je voulais vous demander pourquoi là, les bonnes qui sont un peu dures, et puis je voulais savoir s'il y a quelque chose, à prendre parce que le vote est dur, comme si c'est gonflé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut prendre comme médicament. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous mangez le matin comme petit déjeuner? D'accord. Et qu'est-ce que vous mangez le midi? Le midi, je mange, le midi, des fois, je mange des pâtes, des racines, des trucs comme ça, le riz aussi. Voilà. Et qu'est-ce que vous mangez le soir? Le soir, comme je mange beaucoup, j'aime bien manger, je mange le riz, le pâte aussi, mais je ne sais pas si c'est trop bon, oui, voilà. Voilà. Eh bien, vous avez la cause de vos problèmes, hein? Ah, d'accord. Ah, vous mangez très mal, oui, oui, vous avez la cause, hein? Non seulement vous mangez mal, vous ne mangez pas équilibré, oui, et puis... Excusez-moi, je vous vois à la télé, là, maintenant, est-ce que je peux monter le... parce que je t'en passe trop bien, oui, allez-y, vas-y. J'ai pas compris. J'ai dit,
que je vous regarde à la télé là, mais comme le papa tellement bien au téléphone, Ah, d'accord. Oui. Ben, vous écoutez, puis ça va servir pour tout le monde aussi. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, vraiment, voyez, ce type d'alimentation fait qu'à un moment donné, vous aurez des problèmes au niveau de la flore intestinale et au niveau de l'estomac. C'est une alimentation qui est vraiment très mauvaise. Parce que d'abord, dans cette alimentation, il y a trop d'acide urique. Et donc, cet homme qui vient de m'appeler, eh bien, à un moment donné, il va avoir ce qu'on appelle des maladies inflammatoires. Il va avoir des douleurs, il va avoir des inflammations, parce que son alimentation est chargée en toxines. Ce n'est pas la bonne alimentation. Alors moi, je lui conseille d'avoir une alimentation plus équilibrée que son petit déjeuner pendant quelques temps, ne serait-ce qu'une semaine. Je lui demande pendant une semaine de se mettre dans un régime hypotoxique, que ce soit le matin des fruits, que ce soit le midi des légumes et le soir des bouillons de légumes, des jus de légumes ou simplement le soir encore des légumes. Mais une diète pendant une semaine et avoir une alimentation où il y a beaucoup de fibres dedans. Il faut qu'il change sa façon de manger. Elle n'est pas bonne du tout. Et puis, il faut que son alimentation soit de bonne qualité. Parce que la santé commence dans le ventre et sa flore intestinale. Voilà le résultat avec une alimentation comme cela. Voilà. Eh bien, je vous remercie à tous pour vos appels et puis pour votre fidélité à Canal 10 et puis votre fidélité à cette émission. Et puis, vous savez que je vous aime tous beaucoup et que c'est cela ma mission, c'est de vous aider à être en bonne santé et à rester en bonne santé et surtout de vous préserver du Covid. Ne vous laissez pas contaminer sous aucune forme, ni par les médias, pas par les médias, mais par certaines informations sur les réseaux sociaux. Et puis, préservez-vous. Et puis, ce que je vous conseille, eh bien, gardons le contact. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des messages. Et puis, nous avons rendez-vous tous les samedis à 10h. Et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Eh bien, bon dimanche et bonne santé. Et à samedi prochain, si Dieu le permet. Bonjour à tous, je m'appelle Henri-Vincent Périan, je suis naturopathe. Fort de mes 40 ans d'expérience, je vous présente mon dernier livre, Maigrir par la naturopathie. L'obésité est une maladie qui touche 70% de notre population. Ce livre sera pour vous un outil essentiel pour vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez ce livre en librairie ou sur commande au 06 90 75 36 47.